Coucou à tous. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Oui, jeudi, ça passe vite. J'ai juste fait une vidéo cette semaine. J'ai juste filmé mon mari en train de faire la confiture de... J'ai du dentifrice là. En train de faire de la confiture de fraises. J'ai filmé la recette. Et c'est tout. Voilà, là je me nettoie les yeux avec H2O pour les yeux. Biphasé. Normalement, c'est un démaquillant pour apparemment se démaquiller. Hein. C'est mieux. Mais écoutez, moi, personnellement, avec le maquillage waterproof, je trouve que ça ne démaquille pas très bien. Donc, je l'utilise comme ça. Voilà. Sinon, mon mari est en vacances toute la semaine. Là. Hier, enfin la semaine dernière, le week-end dernier, ils sont partis, je vous l'ai dit, hein, ils sont partis faire de la randonnée avec mon fils dans les Pyrénées. Ils ont passé de très très bons moments, ils se sont éclatés. Et là, il est en vacances une semaine. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins disponible cette semaine. Et je vais utiliser mon nettoyant de Clarins. Il en a profité lundi. Il a enlevé les mauvaises herbes dans le jardin. Donc tout est propre et là écoutez, il fait un temps pourri, donc il pleut tout le temps, donc il a été à la piscine hier et puis il m'a préparé un bon petit pot là. Il m'a préparé j'avais acheté du porc en magasin et je voulais en faire un barbecue et en fait mon mari m'a dit que c'était pas de viande pour le barbecue, donc hier il m'a fait un plat avec cette viande, avec des ananas, c'était super bon, c'était un plat sucré-salé, un plat indien, et c'était délicieux, on s'est régalé. Voilà, donc hier, c'est lui qui a cuisiné. Je me fais mon petit massage avec mon nettoyeur de Clarins, que j'aime beaucoup. Voilà. Et je suis allée chez Action hier, alors j'ai pas acheté grand-chose, comme j'étais à Clermont, je voulais voir s'il y avait encore des fossiles magnétiques et puis il n'y en avait pas. Voilà, donc j'ai acheté juste ces petites mousses là pour vous voyez, c'est des mousses comme ça là pour le corps et j'avais envie d'essayer tout simplement. Voilà, et j'ai repris un paquet de coton parce que j'en avais plus et ah oui, et j'ai pris aussi un stick, je vous montrerai ça. Voilà, bon là je vais me prendre ma douche, j'ai mis du chauffage parce que ça caille. Et ils ont prévu un très joli temps, en fait, ce week-end. Donc, avec mon mari, mon fils, Bertrand et sa femme, on normalement doit aller à Lyon. On va passer notre après-midi, notre journée à Lyon. On va manger à midi au restaurant et puis on va visiter un petit peu. Donc, c'est cool. Et pour ma figure, c'est bon. Maintenant, je vais me laver, ça va me faire du bien parce que je suis tout à dormir encore. Voilà, je viens de m'appliquer mon auto-bronzant de Saint-Tropez. Voilà, et j'en ai mis, j'ai passé par-dessus de la crème Mixa Intense pour bien étaler le produit et pour éviter le maximum de tâches. Je vais attaquer mes petits soins là. Alors, ma fille devait visiter un appartement mardi dernier. Et la dame a annulé la rencontre, du coup, voilà. Et je crois qu'elle avait encore un rendez-vous cette semaine. C'est un peu compliqué de trouver quelque chose en ce moment. Voilà. Et sinon, pour son boulot, eh bien, écoutez, elle a notre, je m'en rappelle plus si je vous l'ai dit, elle a notre entretien, le 4e, donc la semaine prochaine. Et après, voilà, où elle est embauchée. Bon, elle a quand même fait 3 tests et là c'est le dernier entretien et après normalement elle sera embauchée à partir du mois de novembre je crois pour faire une formation de 6 mois et mon fils il est en plein examen là mais il s'en fout un petit peu en fait, il s'en fout un petit peu parce que son patron lui a dit qu'il le gardait, donc mon fils il supporte plus d'aller en cours, ça le gave. Voilà. Donc c'est bien, je suis contente. Enfin, c'est pas facile en fait pour les jeunes. À chaque fois,
d'avoir des contrats à durée déterminée pour avancer. Ils ne peuvent pas prendre d'appartement, ils ne peuvent rien faire. La vie est incertaine, donc c'est pas facile. Et donc vraiment, c'est vrai que c'est pas facile pour eux. Hein. Et là, le fait d'avoir un CDI, c'est vrai qu'il va pouvoir se projeter, il va pouvoir se prendre un petit appartement s'il en a envie, pas trop loin de la maison. Je préfère. Mais bon, je ne le mets pas dehors. Hein. S'il veut rester à la maison, moi, ça me va. Il n'y a pas de problème, il peut rester encore à la maison, je veux dire. Moi, ça ne me dérange pas vraiment à partir du moment où je voudrais en fait qu'il se mette en appartement quand il sera vraiment indépendant. Je ne veux pas qu'il parte et puis qu'il ait besoin de moi parce qu'il n'arrive pas à payer ses factures. Je préfère qu'il reste à la maison tranquille, il fait ce qu'il veut, il économise son argent. Et puis quand il sera prêt, eh bien il partira. Mais pour l'instant, je préfère qu'il reste vraiment là. Quand on prend un appartement, il faut être autonome, quoi. Voilà. Mais bon. Et puis voilà, bah, sinon rien de nouveau. Je déteste ce temps. Je déteste ce temps. Quand il pleut comme ça, c'est. Il fait le gris. On a eu de la grêle la semaine dernière. Là. La voiture de mon fils et la mienne ont été grêlées. C'est pas génial. Et on a eu aussi des gros orages qui auraient été complètement tétanisés. Et puis bon, moi j'ai eu qu'une tuile de cassée, donc c'est pas grave. Et par contre, à Vichy, il y a eu plus de 3000 oiseaux qui ont été tués par les grêlons. Il paraît qu'il y a eu de gros dégâts sur Vichy. Ouais, bon, bah c'est comme ça. Et donc, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai juste pris, en fait, je voulais tester. Alors, je n'avais pas compris encore une fois. Je croyais qu'il y avait un côté pour le fond de teint. Alors, attendez. Donc, foundation, donc fond de teint, un côté. Alors, j'ai pris vraiment une teinte claire. Là, elle est vraiment claire. Mais ce sera bien pour l'été. Ou sinon, vous voyez comment il cerne. Et j'ai pris Shine Control. Alors, Shine Control. Donc, je pense que c'est une base. En fait, je croyais que c'était un côté fond de teint. Et compter contouring, j'aurais trouvé ça génial, mais là, bon, écoutez, Shine Control, on va essayer. Hein. Je pensais que c'était ça en fait, bon, mais c'est pas grave. Voilà, et sinon, je suis en train de terminer mes maquillages, mes soins pour le visage. Donc, j'ai terminé celui de chez Mine, vraiment, je l'ai trouvé super. J'en ai d'autres, hein. J'ai d'autres produits, donc je termine. Et là, je suis déjà en train de réfléchir aux nouveaux soins que je vais acheter. Je sais pas en fait si je repars sur des produits naturels. Je sais pas, ou si je tourne, si je vais chez Sephora et. Moi, je préfère les produits qui sentent des odeurs de plantes. Je sais pas, j'aime bien ciseler. Après, il y a la mer aussi. J'ai vu ça sur Internet aussi. J'avais envie de tester, je ne connais pas. Je sais pas. Ou sinon, j'ai envie de me prendre une routine complète. Donc, on verra bien. Là, je vais, je vais appliquer ça de chez, alors ça, je l'ai acheté sur Internet et c'est un produit qui est, je crois que c'est la Bave d'escargot, de la marque je vous montre cette marque-là, je l'avais acheté sur Amazon et parce que j'avais vu ce produit sur la chaîne d'un youtubeur, comment il s'appelle, un youtubeur qui présente pas mal de produits coréens, je m'en rappelle plus, c'est pas grave. Et du coup, je vais me faire un petit massage avec ça et le Foreo.
mais je suis obligée d'éteindre mon téléphone parce que je dois me connecter avec, avec ça sur mon téléphone. Donc écoutez, on se voit après. J'aime beaucoup ce produit, ça me détend, j'aime bien. Voilà. On peut l'utiliser comme ça, mais moi ça marche pas. Donc je connecte à mon téléphone et je reviens. Voilà. J'écoutais vraiment, je fais 10 minutes de massage comme ça avec le Foreo. Et j'aime bien alors, vous dire que c'est hyper efficace, j'en sais rien. Écoutez, je l'ai depuis longtemps, ça fait un an que je l'ai. Et j'ai, en fait, j'avais arrêté de l'utiliser parce que j'avais pas envie, en fait, de l'utiliser. Mais au niveau du plaisir, de la détente, ça fait du bien, on est d'accord. Je vais utiliser, alors je le vois là, ça matifie le teint. Donc c'est une base de maquillage. Écoutez, on la voit pas, vous voyez. Et voilà. Ah, j'avais envie aussi de tester. Je vais mettre sur mes sourcils. Je vais essayer de laisser poser un plus longtemps en fait. Voilà. Je vais le poser sur les sourcils et en attendant, je vais faire les ongles. Attendez. Parce que je trouve que quand même, ce produit est pas mal. L'autre fois, j'ai essayé de le faire et je l'ai laissé poser que 5 minutes. Donc là, on va laisser poser plus longtemps. On va voir ce que ça donne. Je vais laisser poser 10 minutes. Ah, j'aime bien Axiom, mais alors c'est chiant parce qu'ils sont toujours, toujours en rupture. Le rayon hier a clairement été vide. Donc, il faut faire je ne sais pas combien de magasins pour pouvoir trouver un produit. C'est un petit peu le problème, mais bon. C'est pas grave. Il y a plus grave que ça. Voilà, donc là, je vais laisser poser. Donc, il faut pas que... Ouais, c'est comme ça, écoutez. C'est vrai que moi, les fossiles magnétiques, j'aurais bien voulu en reprendre d'autres. Allez, je laisse poser 15 minutes. Je vais me faire les ongles et puis on verra après. Allez, à tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, je porte ce vernis à ongles de Chanel. C'est la teinte 628, je crois. Ouais. Prune dramatique, voilà, très joli. Allez, on va enlever, je viens de terminer ma petite brume, enfin, un parfum liquide, vous savez, pour mettre dans les brûleurs, de la, une senteur ambre, ça sent trop trop bon, et j'en ai plus, donc il va falloir que j'essaye de la retrouver. On va enlever... Je vais prendre un petit coton et je vais enlever avec juste avec de la brume. Ça fait 15 minutes hein, que j'ai le produit sur les cils, enfin sur les sourcils. Vous voyez, si, regardez. Ouais, c'est juste que je pense que j'en ai pas mis assez. Ouais, parce que normalement, vous voyez, ça fait un petit film. C'est bien ce qui me semblait. Mais, hop, j'ai des petites bandes qui s'en vont. Attendez, je vais quand même nettoyer un petit peu. Hein. Voilà. Voilà. Ça a bien noirci, enfin, ça a bien teinté mes cils. Mes sourcils, j'ai plus de brume. Si, ça a bien teinté mes sourcils, hein. Non, non, je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, et je vais essayer sur mon mari aussi, parce que lui, il en a vraiment besoin. Et on va attaquer. Alors, je pense que, vous voyez, la couleur est un peu claire.
Donc je vais juste l'appliquer comme ça pour l'anti-cerne. Et j'achèterai une couleur plus foncée pour essayer. Et pour le reste du visage, je vais appliquer celle de chez... voilà, vous voyez, qui est plus dans mes teintes. Et je vais utiliser mon... mon pinceau rotatif de la marque Blender Smart. Par contre, je suis très contente au niveau de la pigmentation. C'est quand même pas mal, hein? C'est bien pigmenté. Et ça, on peut s'en servir comme juste comme anti-cerne, hein, tout simplement. Hop. Alors, j'ai envie de faire des tests. J'ai un velvet que j'ai depuis un moment, dont je ne me suis jamais servie parce que la couleur est trop foncée, en fait. Et alors, je vais l'utiliser, vous voyez, la couleur comme elle est jolie. Je vais l'utiliser en base à paupières. C'est un rouge à lèvres qui est, je crois qu'il est mat. Et il ressemble en fait à... il ressemble à mon vernis à ongles. Et j'en mets en ras de cils. Ça me fait une belle base de maquillage. Hop, vous voyez, là, je remonte jusqu'à, vous voyez, comme j'ai la paupière tombante, je remonte jusqu'ici. Je relève bien ma paupière. Vous voyez, ça me fait un beau smoky. Et là, je vais dégrader les couleurs avant que ça sèche, parce que je vais prendre un pinceau comme ça. Et je dégrade la couleur. Ça fait une belle couleur, hein. Une belle base à paupières. Allez, j'attaque l'autre côté. Une couleur super belle, hein, vraiment. J'adore. Je vais prendre ma palette de chez... attendez. J'ai envie de prendre une couleur mat comme ça, là. Juste ici. Pour estomper un petit peu les bords. Et je vais appliquer déjà cette couleur sur la paupière. Ça permet en plus de bien accrocher les fards. Donc ça, c'est bien. Et je vais cette couleur qui est là avec un pinceau de Make Up For Ever en coin interne. Et je vais prendre cette couleur qui est là juste à côté pour dégrader la couleur. Je prends un petit coton-tige, j'en reprends un petit peu et j'en place juste là. Alors ça, j'aime bien le faire avec un coton-tige parce que c'est petit, ça évite d'en mettre partout. Voilà, comme ça, tout simplement. C'est super joli. Si j'en mets juste ici, ouais. Vous voyez, cette couleur, celle qui est là,
C'est une palette d'action. Regardez-moi comme c'est joli. Juste au milieu. Trop beau. Moi, j'adore ça, le maquillage. Vraiment, tous les jours, je m'éclate à me maquiller. J'ai vraiment du plaisir, en fait, à me maquiller. C'est joli. Toutes ces couleurs, c'est magnifique. Et allez, je vais voir si je vais estomper un peu avec ce rose-là. Trop beau. Allez, il ne manque plus qu'à appliquer le mascara. Alors, le mascara que j'ai acheté là de il est vraiment bien, vraiment super. J'ai rien à dire. Avant, j'ai appliqué mon eyeliner. Mon eyeliner de la marque Action. Il est trop top. Il est vraiment bien. Il coule pas. J'ai aucun souci avec ce eyeliner. Il faut juste rester en ras de cils. Allez-y doucement si vous n'avez pas l'habitude. Très joli, j'adore. Ben écoutez, on va rester comme ça. Je vais juste nettoyer un petit peu. Allez, je vais prendre mon anti-cerne de chez Nars. J'ai bien envie de reprendre parce que je trouve que la couleur elle est belle. Voilà, je vais vraiment m'en servir d'anti-cerne. Et c'est vrai que je trouve que il est assez hydratant, il n'est pas asséchant. La couleur est sympa. Donc c'est bien d'avoir fait ces petites choses pour les petits jeunes qui ont des petits budgets. Ça permet quand même de pouvoir se maquiller sans problème. Vraiment, regardez, c'est parfait. Je vais appliquer cette palette. Je vais prendre mon pinceau encore une fois. Du coup, on a fini notre série avec mon mari. On regardait la série Les aventures de la famille Richnerton. Et on a fini la série, c'était super. On a adoré mon mari. Enfin, moi, j'ai adoré. Mon mari aussi, il a bien aimé. Et j'ai adoré ce film. Il était trop, trop bien. Voilà. Alors maintenant, je sais pas ce qu'on va regarder. Moi, je suis en train de regarder les Pretty Blender. Voilà. Hop. Trop bien. Mais avec mon mari. Mon mari ne l'a pas regardé, donc je pense que ça lui plairait ce film aussi. Mais il faudrait que je recommence tout dès le début. Bon, on va voir. Voilà, et je vais juste, je vais prendre ma poudre de chez Nars. Voilà, je place
mon eyeliner, mon mascara. J'ai ma soeur qui vient de m'appeler. Elle est désespérée parce qu'elle a plus de riz. Elle achète un riz qu'elle achète au Portugal. À chaque fois quand elle y va, elle en prend des cartons au Portugal. Et là, elle est en panne de riz. Alors, je vais aller à Vichy. Je vais voir la dame du magasin portugais Vichy pour voir si elle peut en avoir de ce riz ou si elle le vend. Et c'est vrai que le riz de ma sœur, il est super bon. Elle nous a fait un riz un risotto à la tomate et au poivron chez mon autre sœur quand on était à Fréjus. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Il était trop trop bon ce riz. Il faut que j'essaye de faire du risotto. Son riz, il était excellent. Mais elle achète un riz particulier. Et il faut qu'on arrive à trouver ce riz. C'est vrai que, oh là là. Ouais, ma soeur, elle cuisine vraiment trop bien. Il est très très bien ce mascara. Vous voyez, c'est vrai qu'en grande surface, on trouve de très très bons mascaras. Celui-là, il est super. Et aussi, il est vraiment bien. Donc, vous voyez, c'est... le mascara, pour moi... J'ai pas besoin de. Je trouve aussi bien que celui que j'avais de chez Dior. Vraiment, je vois pas la différence. Il est très très bien ce mascara. Et il a une super tenue. Pour l'enlever, je peux vous dire qu'on s'amuse. Donc, après, vous voyez, il y a des choses comme ça où j'ai pas besoin de mettre plus d'argent. Et je vais plutôt essayer de mettre plus d'argent sur les soins, sur... J'ai envie vraiment... Ah, j'ai envie de me faire des soins pour le visage, vous voyez. Voilà, je voudrais mettre de l'argent sur d'autres choses que sur les mascaras, sur... C'est vrai que s'acheter un bon soin pour le visage, on voit la différence. Là, j'ai presque plus de démaquillant, donc il faut que je me rachète un démaquillant. Et il faut que je me rachète une routine pour mon visage. Je vais utiliser la palette et je vais prendre cette couleur. Et comme mon mari a rendez-vous cet après-midi, il doit se faire tailler la barbichette. Il a pris un rendez-vous avec un monsieur qui ne fait que ça, qui taille les barbichettes à Vichy. Donc, il va aller là-bas et écoutez, je pense que je vais aller avec lui comme ça. On ira au magasin portugais et puis à Vichy, pareil, la dame de l'atelier du sourcil m'a donné le nom d'un institut pour les soins et comme ça, ça me permettrait aussi d'y aller et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais faire ça. Cet après-midi, on va être tous les deux. J'attends qu'ils reviennent en amoureux. Voilà, écoutez. J'aime beaucoup ces petites éponges-là. Vous voyez, elles sont très très bien pour appliquer le blush, pour appliquer l'anti-cerne. Elle est vraiment bien. Je voudrais juste poudrer un peu mon visage. Et voilà. Je trouve que mon maquillage est joli, plutôt. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi, je suis contente de mon maquillage. C'est le plus important. Voilà, bon, allez, je vais tendre mon petit linge. J'ai mis toujours mon petit baume de chez... j'adore ce petit baume. Je m'en tartine tout le temps sur les lèvres. C'est un baume de la marque By Terry, je crois. Ouais, By Terry, il me semble. Ouais. Et je l'aime bien parce que on dirait que les lèvres sont un peu plus claires, vous voyez. C'est beau. J'aime beaucoup. Voilà. Allez.
Je vais étendre mon linge. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu la... Je crois qu'ils ont prévu la pluie aujourd'hui. C'est chiant. Et puis, voilà, je vais attendre mon mari. Et puis, on verra ce qu'on va faire. Allez, je range mes affaires. Du coup, je ne me suis pas... Non, c'est bien comme ça. Je suis contente de mes petites trouvailles chez Action. Là, c'est super. J'aime bien. Et les sourcils, regardez, ils sont bien. Hein, ben, ça permet de, voyez, de les retinter un petit peu régulièrement. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bisous. Mon mari s'entraîne. Hop, on va aller se promener à Vichy tout à l'heure avec mon mari. Voilà, donc je vais prendre celui-là avec la veste parce qu'il fait pas trop chaud encore une fois. Bon, il ne va pas pleuvoir aujourd'hui, donc tout va bien. Voilà. Voilà, je vais rester comme ça et je vais porter mes petits bijoux. Je vais porter mes boucles d'oreilles. Je les aime beaucoup, ces boucles d'oreilles-là, elles sont super jolies. J'ai mis un peu d'auto-bronzant parce que ce week-end, ils ont prévu 28 degrés. Et donc, moi, j'aime bien être un petit peu bronzée quand même. Je vais recommander chez Aromazon du DHA pour bronzer, que je mélangerai à ma crème de jour. Je vais en recommander parce que j'ai presque plus de Saint-Tropez. Voilà, donc comme ça, c'est parfait. Et je vais porter le beau collier que mon mari m'a offert. À Saint-Paul-de-Vence. Dans une bijouterie à Saint-Paul-de-Vence. Et il est beau ce collier. Vous voyez, il y a trois grosses perles de culture. Qui sont, elles sont asymétriques. Ouais, elles sont grosses et asymétriques. Et je trouve ça trop beau. Voilà, et... Il va très très bien, le collier va très, super bien en fait avec les boucles d'oreilles que j'avais acheté dans un autre magasin avant à Aes, donc ça va très bien avec. Voilà, bon, allez, on va aller se promener. Mais je pense que je vais manger une glace. Je vais manger une petite glace à la vanille, j'adore ça. Allez, bisous, à plus tard. Bonsoir, alors je suis allée à Vichy comme je vous l'ai dit et. Je suis allée chez Sephora. J'ai eu envie donc de me racheter un baume démaquillant. J'ai presque terminé le mien. Et elle m'a conseillé de tester, enfin elle m'a proposé de tester le baume démaquillant de Sephora. Il se présente comme ça, donc tout à l'heure, on va le tester. Super. Et j'ai choisi aussi un nettoyant pour le visage de Chanel. C'est une poudre mousse nettoyante au camélia rouge. Donc ça se présente comme ça et j'ai dit tiens, bah, je vais essayer. Voilà, donc on va tester le baume démaquillant de Sephora. J'ai rien trouvé d'intéressant. J'ai celui-là qui est vraiment très très bien. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment bien. Mais j'avais envie de changer un petit peu. Donc j'ai dit bah, je vais tester. Donc c'est un baume. Il sent une petite odeur mais très légère. Et on va essayer. Il sent bon. Hein. Ça sent les fleurs. Une odeur assez douce. Voilà, écoutez, ça a l'air de bien démaquiller. Moi, j'ai du mascara waterproof là et ça n'a pas l'air mal. Et je crois qu'il n'était pas cher en plus. Hop, écoutez. Nickel. Ah oui, je suis allée aussi à Vichy dans un institut. Je vous avais dit que j'avais envie de me faire des soins pour le visage et je suis partie à Vichy aussi pour me renseigner. Et alors j'ai trouvé un institut, je vous mettrai le nom en barre d'infos, à Vichy, qui fait des soins. Alors, ils font pas plein de choses en fait, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. C'est des soins, en fait, ils font des petites piqûres avec des injections sur le visage.
Donc c'est des soins qui durent une heure et c'est une séance par mois. Donc je commence la semaine prochaine, vendredi prochain, j'ai pris un rendez-vous. Et c'est un nom particulier, je vous mettrai ça aussi. Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais écoutez, ça a l'air vraiment bien. J'ai regardé un petit peu sur internet ce qu'ils en disent. Et pour je pense que pour en complément des séances de Botox, je pense que ça va être bien. Je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais vraiment avoir ce genre de... J'en avais déjà entendu parler sur internet. Et j'avais vraiment envie de me faire des soins, mais vraiment qu'ils soient efficaces, quoi. Ben écoutez, en attendant, mon baume démaquillant pour le visage, là, de Sephora, il est vraiment bien, impeccable. Je suis très contente et il est bien, il est pas très cher. Et au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est assez douce et ça sent les plantes et c'est très doux, c'est très délicat, donc impeccable. Donc là, je vais essayer maintenant le nettoyant pour le visage. Alors attendez, je ne sais pas comment ça s'ouvre. C'est une poudre qui se présente comme ça. Je n'ai pas réussi à lever le truc et je l'ai cassé. C'est pas grave. Voilà, donc c'est une mousse. Oui. Je vais voir avec eux parce qu'ils en vendent. Voilà, bah, écoutez, c'est pas mal. Ça sent assez bon. J'ai cassé le bouchon, je suis super contente. Ça fait une petite mousse qui est agréable. Il n'y a pas trop d'odeur et j'aime bien. Ah, ça j'aime bien. Trop bien. J'aime bien ce genre de produit. Voilà. Eh bien, écoutez, sinon, on va être spécial. On s'est bu un petit café, on s'est promené. Ah si, j'ai acheté. Ah, j'ai acheté aussi un petit rouge à lèvres. Apparemment, j'ai vu sur TikTok qui fait un effet repulpant sur les lèvres. Voilà. Et je me suis acheté de SVR des crèmes à poser avant le maquillage SPF 50. Un écran total. Voilà. J'avais pris deux. Je ne sais pas lequel prendre. Du coup, j'ai pris les deux. Je voulais acheter celle de chez Clarins. Il paraît qu'il était bien, mais il est indisponible. Il n'y en avait plus sur le site, donc j'ai pris celui-là. Voilà, j'ai pris Clérial de SVR. C'est un baume, donc c'est une crème avec un SPF 50+, très haute protection solaire, anti-tache. Et vraiment, elle n'était pas chère, donc elle se présente comme ça. Et apparemment, elle a un effet mat. Bon, après, moi, je vais mettre mon fond de teint derrière, donc il n'y a pas de souci. C'est un peu clair, mais c'est pas grave. Et j'en ai pris une deuxième, écran minéral teinté, crème touche sec, peau normale à mixte. Voilà. Et celle-là, ah, elle est plus, elle est teintée celle-là. Ah, c'est sympa. Bah, j'en ai mis un petit peu, j'ai mis la dose. Donc à voir, je vais essayer les deux, on verra bien, celle que je préfère. Voilà, et donc là je serai bien protégée, il n'y a pas de souci. Donc c'est parfait, et donc j'ai eu plein de petits échantillons. Elle m'a mis des échantillons de chez Clarins, de chez Chanel. Crème pour contour des yeux, je testerai ça. Crème contour des yeux, j'en ai deux. Je vais tester tout ça, voilà. Bon, et ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Il est 17h30. On va manger. Mon mari a préparé une salade. On va manger une salade avec des endives. Et tout simplement, j'ai pas envie de manger. J'ai juste envie d'une salade ce soir. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Bisous, ciao.